Tu veux leur dire bonjour? Il vous dit bonjour. Allez, mioule pour leur dire bonjour. Bon, salut les Padawan, c'est Kishnifu. Je vous fais une petite vidéo annonce rapide pour vous dire que samedi 9 avril, donc ce week-end, je serai à la Japan Touch à Lyon, à Eurexpo. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui seront présents. Je ne pense pas que j'en aurai énormément. Sachant que bon, je suis pas encore énormément connu, mais si jamais je me dis qu'il y a environ entre 5 et 10 personnes qui me disent ah oui, moi j'y suis, bah je me dis qu'on pourrait peut-être se faire une petite rencontre abonnée à voir, à définir. Si jamais ça se fait, je définirai un endroit précis où se retrouver, mais bon, à mon avis, vous serez pas assez nombreux pour le moment pour que j'organise ces genres de rencontres. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de l'année, le 14 décembre, il y a Rogue One qui sort. Je me suis dit aussi que ce serait pas mal que si certains d'entre vous vont le voir et qui sont vers Lyon, moi j'irai au cinéma Carré de Soie, donc c'est à proximité de Lyon. Et je me suis dit que si jamais il y en avait certains qui seraient intéressés pour qu'on aille le voir tous ensemble, bah je me suis dit qu'on pourrait passer du coup un bon moment si on le voit un peu tous ensemble et puis qu'après on fasse une sorte de débrief et puis que après j'en parle dans une vidéo ou que je fasse une vidéo montage avec enfin une sorte de vlog en quelque sorte. En tout cas voilà, je vous expose un petit peu les idées que j'ai en tête en ce moment. C'est vrai que c'est rare que je fasse ce genre de petite vidéo, mais j'aime bien des fois un peu vous dire un petit peu ce qui se passe, mes idées, ce que j'ai en tête. Troisième chose, c'est que bon bah petit à petit les abonnés augmentent. Je suis bien content des personnes qui me suivent, qui réagissent. C'est toujours bien sympa. Je prends toujours autant de plaisir à vous répondre, à échanger avec vous. C'est génial. Et je me dis que pour marquer le coup entre guillemets. À l'occasion des 500 abonnés, une fois que je les aurai atteints, je pourrai organiser une petite vidéo FAQ. Beaucoup me le demandent déjà et c'est vrai que j'ai jamais bien eu le temps ni l'occasion de le faire. Et puis même, je considérais qu'on n'était encore pas assez nombreux pour que je reçoive assez de questions. Donc, on va voir. Ce que je vous propose, c'est là de me mettre des questions en commentaire et si j'en ai assez, je ferai une vidéo FAQ. Et enfin, toute petite dernière information, ça fait déjà un petit moment, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. Je fais partie des staffeurs du site de Star Wars Universe. J'ai fait deux tests vidéo qui sont parus sur ma chaîne, le test vidéo de Battlefront et le test vidéo de Galaxy of Heroes. Je ne sais pas si vous les avez manqués ou pas, mais en tout cas, normalement, dans la description, je mets à chaque fois un lien vers l'endroit où se trouve mon test écrit, et à chaque fois, c'était sur Star Wars Universe. Donc, pour ceux qui n'ont pas deviné, je fais partie du site, je fais des tests écrits et vidéos, et je fais aussi parfois des news de jeux vidéo. Donc, si jamais vous allez sur ce site, vous risquez de voir des news de jeux vidéo avec tout en bas le nom de Kishnifu avec mon avatar de Yoda. C'est moi! Donc voilà, j'ai été recruté parmi ces staffeurs, une équipe bien sympathique. Je vous invite vraiment à aller sur ce site, il est vraiment convivial et puis il règne vraiment une bonne ambiance. Je suis bien content d'avoir rejoint l'équipe. Voilà, c'était simplement une petite vidéo annonce, comme j'en fais peu souvent. Mais voilà, là j'avais quelques petits contenus à vous parler et je trouve que c'était la bonne occasion et le bon moment de le faire parce que mine de rien. La Japan Touch, c'est ce week-end, donc il fallait bien que je le fasse un moment ou un autre. Allez, je vous souhaite de bien tenir à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.